L'inquiétude qui monte à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône, les cas de contamination augmentent. Le préfet l'a annoncé hier, on pourrait assister à un durcissement des mesures sanitaires, comme la fermeture des bars à 20h. Romain Cluzel est allé à la rencontre des Marseillais, c'est le reportage de la rédaction. En plein dîner avec des amis en terrasse près du Vieux-Port, difficile pour Abdel d'imaginer devoir se passer de son restaurant favori. J'aurais plus rien à faire le soir. Déjà qu'on n'a plus les boîtes, on n'a plus les soirées. Le seul truc qui nous reste, c'est les bars. Et si on coupe ça, il n'y a plus rien. Quelques mètres plus loin, toutes les tables de cette terrasse sont occupées. Pourtant, Hugo, venu boire un verre entre amis, n'a pas l'impression de courir un risque de contamination. On est à l'extérieur sur une terrasse, on est entre amis tous les cinq. On ne va pas se mélanger aux gens et... Voilà, on est à bonne distance. Au service, c'est David. Il s'efforce de maintenir le mètre de distance entre les tables et se désole d'une possible fermeture de l'établissement à 20h. C'est une punition. Ça serait terrible pour nous. C'est comme si c'était une fin d'activité. Puisque la journée, c'est pas pareil. On a moins de monde la journée que le soir. À certains endroits du Vieux-Port, les clients sont très proches. Et quand la soirée avance, Romain remarque que les gestes barrières sont moins respectés. Ouais, bah allez, à minuit, ça commence à se relâcher un peu. C'est sûr que les gens, ils boivent, ils oublient un peu de mettre le masque. Il faut leur rappeler. Ces petits écarts de conduite ont des conséquences. Le virus touche principalement les jeunes ces dernières semaines. Pour Annie Lévy-Mosiconacci, médecin biologiste à l'hôpital Nord de Marseille, fermer les bars le soir permettrait de réduire le nombre de contaminations. Je pense qu'il faut faire ce petit sacrifice pour ne pas nous retrouver dans des limitations de liberté comme nous avons vécu ces derniers mois. Et ça, je crois que personne n'a envie de le retrouver. Et pour limiter au maximum la propagation du virus à la rentrée, le médecin appelle tous les vacanciers de retour à Marseille à se faire tester cette semaine.